sur la première charpente, on va prendre le bois qui va le mieux allier, celui-ci, qui va être lié oblique. On pense à délier les charpentes. Ensuite, la deuxième charpente, un bout à fruit à 5 yeux. Sur la troisième aussi, un bout à fruit à 5 yeux sur la troisième charpente. Elle arrive dans le pied suivant, donc là on élimine la cinquième. Elle est en chevauchement, donc elle arrive sur le pied suivant, et en plus on n'a pas le droit d'en avoir 5. Donc il y a deux bonnes raisons pour la couper. Et voilà, la taille d'un pied, ça prend, quand ça va bien, une trentaine de secondes, quoi. Hein, 30 secondes, une minute, on va dire. Le temps de tirer les bois d'une. On essaie de recouper, hein, soit au sécateur, soit à la scie. Toutes les, ce qu'on appelle les vieux trognons. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une belle répartition, hein, dans l'espace, hein, sur les 1,20 m, voir un bois tous les 30 cm.